J'ai fait cette vidéo parce qu'il m'est arrivé un truc chelou aujourd'hui que je vais vous raconter. Donc tout d'abord, je vais excuser ma tenue, ou plutôt ma non-tenue. Ben voilà, je suis à Nîmes, il fait extrêmement chaud ici, donc je suis en short chez moi. Voilà. C'est aussi bête que ça. Voilà, aujourd'hui, j'étais à la plage, au Gros du Roi, en bus, puis je suis revenu en train. Mais bon, il m'est arrivé un truc chelou, c'est à la gare. Donc j'arrive à la gare, déjà c'était blindé de gens. En devant, on aurait dit qu'il allait se passer quelque chose de grave, je sais pas, parce que t'avais une armée de gendarmes, t'avais des gendarmes. La gare de Gros-du-Roi, hein, c'est toute petite gare de rien du tout, tu vois. Il n'y a qu'un TER qui passe par là, qui fait Nîmes-Gros-du-Roi, et c'est tout, tu vois. Et donc, il y avait des gendarmes, il y avait la police nationale et la sûreté SNCF, qui eux ne sont pas des flics. Hein. Et des gens, je sais pas, des jeunes habillés en rouge qui contrôlaient les tickets de train à l'entrée. Donc, moi, j'arrive, tu sais, j'avais comme à mon habitude, tu sais, la trottinette avec le sac accroché devant, tu vois. Et voilà, j'étais en short, tongs, petite chemise, tu vois, j'arrive. Donc voilà, donc le ticket est présenté. Je passe et là, il y avait les mecs de la SNCF en train de fouiller les sacs, rentrer les mains dans les sacs, machin, des gens. Et ça, ils n'ont absolument pas le droit. Ils n'ont absolument pas le droit de faire ça, déjà. Ils peuvent regarder dans ton sac, à la rigueur. Tu peux sortir des trucs de ton sac s'ils sont accompagnés de flics. Mais là, ils n'étaient pas accompagnés de flics. Les flics, ils étaient à l'extérieur de la gare. Il y a un petit passage sur le côté, parce que voilà quoi. Il y a un petit passage sur le côté, par dehors. Donc la gare, on n'a pas accès par la gare dedans, mais il y a voilà, un petit passage. Et là, c'était bloqué. Donc les flics devant, avec les gendarmes. Juste derrière les flics, les gens habillés en rouge là qui contrôlent les tickets. Et qui sont pas des contrôleurs, hein, je sais pas d'où ils sortent ceux-là, je sais pas si c'est des stagiaires, je sais pas ce que c'est. Tu vois, ils avaient tous le même t-shirt, on aurait dit une colonie de vacances, comme c'était des jeunes, genre 20 ans, quoi, tu vois. Et puis des tables comme ça, avec les mecs, donc les agents de sécurité de la SNCF, c'est pas des flics, hein, c'est pas écrit police sur leur truc, c'est juste écrit SNCF, il n'y a pas de matricule, il n'y a rien. Tu vois, sauf qu'ils ont un uniforme avec un taser, un flingue, des menottes, machin, tu vois. Et quand j'arrive à eux, oui, ils me disent, ouais, bonjour monsieur, on peut regarder dans votre sac. Je leur dis, bien sûr, et tout, je commence à ouvrir le sac, machin. Et enfin, j'allais ouvrir le sac et le mec, il va pour ouvrir le sac à ma place. Et je bouge sa main comme ça, je dis non, je ne permets pas que vous ouvrez mon sac et je l'ouvre moi-même. J'ai ouvert le sac, je commençais à sortir les trucs, je dis voilà, j'ai ci, j'ai ça, enfin voilà, quoi, j'avais pas grand-chose, hein, tu vois, une serviette, mon téléphone, un chargeur externe, c'est tout ce truc-là, là, tu vois. Voilà, quoi, les clés de chez moi, une bouteille d'eau, c'est tout. Une boîte avec un fond de tabac, voilà, c'est tout quoi. Et donc voilà, et puis t'as le gars, il va pour rentrer sa main dans le sac. Je dis non, je ne permets pas qu'on rentre la main dans le sac, je connais mes droits, vous n'avez pas le droit de faire ça. Le gars, il commence à me parler d'arrêté préfectoral, je sais pas quoi, que je coopère pas, que je sais pas quoi, machin. Et puis d'un coup, il y a un des agents de la SNCF, là, il est arrivé sur moi en furie, quoi. Tu sais, il est arrivé vraiment sur moi, comme ça, tu vois, bon, plus grand que moi, hein, je ne suis pas très grande taille. Il m'a
fait une espèce de clé de bras là, tu vois, il m'a tout griffé avec ses ongles, regarde. Ouais, je sais pas si ça va se voir là avec la luminosité, mais il m'a tout griffé, il m'a arraché la peau avec ses ongles là. Mais bon, comme je pratique le tai chi, tu vois, il m'a fait une clé de bras, que je me suis retrouvé comme si il allait me mettre les menottes, il m'a claqué bam, contre le grillage comme ça, tu vois. Donc j'ai fait une contre-clé, je me suis retourné, j'ai forcé, moi je forçais le passage et tout. Après, il y en a eu pour ma boîte de tabac, fait comme ça, ouais, ça sent la beuh, machin, faut jeter ça, qu'est-ce que vous avez sur vous, monsieur? Ben, j'ai rien sur moi, hein. Ça sent la beuh. Il dit, ça sent la beuh. J'ai dit, ben, c'est normal, je me suis fumé un pétard avant de prendre le bus pour venir à la plage. Tu vois, parce que j'y étais en bus, je reviens en train. Tu vois. Et ils voulaient pas me laisser. Ils ont pas voulu me laisser monter au départ, tu vois. Après, au final, bon, ils m'ont laissé passer. Et le mec, il dit, t'as un des mecs qui dit, celui qui jouait le cow-boy, là, tu vois. J'ai bien retenu sa tête à lui, tu vois. Et donc, celui qui jouait le cow-boy, là, le mec, il me regarde. Tu vois, je le regarde. Et en passant, pour aller dans le train, il me dit, ouais, vous êtes le seul à poser des problèmes. Tous les gens, ils coopèrent, machin. J'ai dit, mais je suis peut-être le seul à connaître mes droits. Et le mec, il me dit, ouais, oui, non, vous connaissez pas les droits. J'ai regardé, j'ai dit, vous savez pas quelles études j'ai fait, messieurs. Puis je suis parti, je suis monté dans le train. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que je me suis retrouvé, tu vois, j'étais à côté, pas loin d'une porte, tu vois, à l'entrée de là où il y a tous les sièges, c'est le petit train, le petit TER, là. On dirait un métro, presque, le truc. Il y a juste deux ou trois wagons vite fait, tu vois. Et donc, et là, il faisait, je sais pas s'il se croyait dans son sport ou quoi, le mec, il faisait baston de regard, de loin, il regardait, genre, il faisait le méchant, comme ça, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a des petits jeunes qui ont posé problème, tu vois. Il y a des petits jeunes qui ont posé problème, donc, ils sont passés devant moi, ces mecs-là, tu vois. Et celui-là, même qui m'avait fait le plus chier, ce qui était rigolo, tu sais, il restait sa ceinture accrochée ou ses menottes, je sais pas quoi, accrochée dans le guidon de ma trottinette, il n'arrivait pas. Et après, il a fait un geste comme si le gars, il croyait que j'allais piquer son flingue. Tu vois, il met sa main comme ça, là, tiens, là où il y a le flingue. Tu vois, il a cru, genre, on aurait dit, je sais pas, et après, il allait voir les petits jeunes. Et ensuite, le truc qui se passe, c'est que le gars, tu vois, à un moment, tu vois, il a décroché sa baston de regard quand il a vu que je rentrais pas dans son jeu. Moi, je calculais pas, je souriais, machin. Peut-être ça le faisait chier de me voir sourire. Après, il a arrêté sa baston de regard, quoi, tu vois. Et à un moment, justement, il s'est retrouvé pile à côté de moi, là, quand il est allé voir les petits jeunes de l'autre côté. Il était obligé de passer devant moi, tu vois. Et là, moi, tu vois, je tenais la barre presque au même endroit que lui. J'ai mis exprès ma main au-dessus de la sienne, tu vois. Et je le regardais dans les yeux. Mais lui, il faisait style, il ne me voyait pas. Ça, c'est rigolo, quoi. Après, quand on est arrivé à Nîmes, ben, le mec, il est descendu avant. Je sais pas, il m'a tourné le dos, il est parti par l'autre côté. Et voilà. Et j'ai une question que je vais poser la même question à deux autres youtubeurs que j'aime beaucoup et que je considère beaucoup et qui ont beaucoup de connaissances justement par rapport aux lois et tout ça. Donc j'ai nommé le Yeti 69 et Scribe Christophorus. Et voilà, et pourquoi pas Michael je suis, Loan, etc. Tu vois, toute la clique des êtres humains souverains ou divins. Pour vous demander, qu'auriez-vous fait à ma place? Qu'auriez-vous fait à ma place, quoi? Et que feriez-vous, engageriez-vous des poursuites contre ces gens-là pour abus de pouvoir et violence avérée, quoi, parce que ils n'ont pas le droit d'agir comme ça. Donc voilà, qu'auriez-vous fait à ma place? Voilà, parce que c'est le genre de gens, car oui, même si tu peux être non violent comme tu veux, hein, parce que moi je suis non violent,
Attention, je ne suis pas pacifiste, je suis non-violent. C'est pas la même chose. Tu vois? Donc si on m'attaque, je me défends, quoi. C'est pas, pourquoi tu me tapes mon frère, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc ils m'ont ni fait peur, ni fait mal, ni fait quoi que ce soit de négatif, mais ça m'a fait chier. Et donc, voilà, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous engagé des poursuites à l'encontre de ces personnes? Parce que eux, ce sont des personnes, moi je suis quelqu'un. Voilà, je ne suis pas une prostituée au service de l'État. Donc voilà. Voilà. Nurmissa, bah, l'eau était bonne. Et voilà, bah, je conseille la rivière, la plage. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez y aller, quoi, surtout si vous êtes dans le sud de la France, à Nîmes, il fait très chaud. Ils ont prévu 42 degrés pour demain, mais je pense que les 42 degrés, on y est déjà, si ce n'est pas plus. Parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. C'est-à-dire, tu vas à la plage ou à la rivière, tu fais 200 mètres, tu es mouillé déjà, tu vois, de sueur, là, tu vois. Et l'eau, vraiment bonne. Je suis un gros frileux, mais là, je suis rentré dans l'eau, comme ça. Trop bonne. Voilà. Et bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, là, c'était une vidéo non préparée, à chaud, quoi, comme on dit. Et voilà, quoi. En tout cas, ce connard, là, il m'a fait des griffures, quoi. Tu sais, regarde ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà, c'est quand il m'a attrapé, là, qui m'a fait la clé de bras. Ouais, clé de bras au contre-clé, hein. J'avançais quand même. Ils vont pas me faire peur, hein. Ils font caca comme moi. Hein. Voilà, quoi. Donc, voilà, faut pas outrepasser les droits, quoi. Et puis, en plus, je suis à fond, là. En plus, j'ai gagné un procès jeudi dernier. Voilà, en tant qu'être humain. J'ai gagné en tant qu'être humain. Sans avocat, sans rien, machin, en tant qu'être humain. Voilà. Responsable de mon homme de paille. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a des vidéos où j'explique le tout. Et puis il y en a d'autres qui en parlent bien mieux que moi. Sur ce. Je vous souhaite une bonne journée et soyez tous bénis. One love. Si jamais tu fumes.